Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo sur les solvants et solutions ioniques. Dans cette vidéo, je propose de nous intéresser à la détermination des concentrations réelles, encore appelées effectives, des ions en solution. Alors, il y a deux possibilités, deux méthodes qu'on peut utiliser pour déterminer ces concentrations effectives. La première, c'est l'exploitation toute simple de l'équation de dissolution. Donc, pour cela, il faut savoir lire et comprendre cette équation de dissolution. Gardons l'exemple de la vidéo précédente. Et si on lit l'équation de dissolution, on peut la lire de la manière suivante. À chaque fois qu'on dissout une mole de CaCl2 dans l'eau, il se forme une mole de Ca2+ pour deux moles de Cl-. Alors, généralisons, si on dissout n moles de CaCl2 dans l'eau, il se formera n moles de Ca2+ et 2n moles de Cl-. Si on ramène ce nombre de moles à une même quantité de volume, par exemple 1 litre, si on dissout n moles dans 1 litre, il se formera donc n moles de Ca2+ dans un litre et 2n moles de Cl- dans 1 litre. Autrement dit, la concentration apportée du solide ionique CaCl2 sera la même que celle des ions Ca2+. Donc ce qu'on écrira Ca2+ entre crochets égale C, la concentration effective des ions Ca2+ est la même que celle que la concentration en soluté apportée. Mais à cause du facteur 2, on comprend bien que quand on dissout n mol de Ca2+ dans un volume donné, on en forme deux fois plus d'ions Cl-. Donc la concentration effective des ions Cl- est deux fois plus grande que la concentration en soluté apportée. Donc ça, c'est avec un raisonnement uniquement par lecture, j'ai envie de dire, d'équations de dissolution. On peut utiliser une méthode qui est un peu plus lourde, mais qui a au moins le mérite de toujours fonctionner, c'est l'exploitation d'un tableau d'évolution. Alors, dans ce tableau, on va considérer seulement deux états. L'état initial sera l'état avant dissolution. Autrement dit, on dispose des n moles de CaCl2 dans un volume de solution et on forme bien sûr initialement 0 mol de Ca2+ et Cl-. L'état final de la réaction étudiée sera la fin de la dissolution. Donc là, on va considérer que l'état final est atteint quand tout le soluté est dissous. Donc à chaque fois qu'on dissout x mol, pardon, de CaCl2, il va se former x mol de Ca2+ et 2x mol de Cl-. La valeur de l'avancement x va augmenter jusqu'à atteindre une valeur maximale. C'est ainsi qu'on formera 2x max mol, x de Cl-, pardon, x max mol de Ca2+, et donc il resterait n-x max mol de CaCl2. Si on suppose la dissolution totale, c'est-à-dire que si on suppose que tout le soluté est entièrement dissous, ça veut dire qu'à la fin, il n'y a plus de soluté. Autrement dit, n-x max égale 0, ce qui est souvent le cas lorsque la solution est dite non saturée. Donc si n-x max égale 0, on peut donc en déduire un lien entre n et x max. X max égale n. En fait, tout l'enjeu, quand on a un tableau d'avancement, consiste à avoir une expression de x max. X max, c'est un petit peu le connecteur entre les réactifs et les produits. Et une fois qu'on peut tout exprimer en termes de quantité de matière, c'est assez simple après de revenir à des notions de concentration. Donc, après dissolution supposée totale, n-x max égale 0, donc x max égale n, avec n qui est égal à c fois Vs par définition, c étant la concentration apportée en soluté, et Vs le volume de solution. Ainsi, on peut donc connaître une première expression de l'avancement maximal. L'enjeu, je vous le rappelle, est de déterminer la concentration effective des cations et des anions. Alors, première étape, on utilise le tableau d'évolution, et d'après le tableau, on pouvait voir dans la diapositive précédente que le nombre de moles de Ca2+ formé après dissolution est égal à l'avancement maximal. Ça, c'est d'après le tableau. Par définition, on a toujours la formule n égale c fois v qui est valable. Sauf que cette fois, ce nombre de moles n, c'est Ca2, nombre de moles de Ca2+. Le volume de solution, ça reste Vs. Et la concentration, on va l'écrire cette fois Ca2+ entre crochets, puisque c'est une concentration effective, une concentration d'ions. En égalant ces deux expressions de n de Ca2+, il vient à la relation toute simple que la concentration effective des ions Ca2+ égale C, puisqu'on peut simplifier, si vous posez les calculs, les volumes de solution simplifient.
On peut faire le même raisonnement pour la quantité de matière des ions Cl-. D'après le tableau, le nombre de moles de Cl- est égal à deux fois l'avancement maximal. Autrement dit, sera égal à deux fois CVS. Et par définition, le nombre de moles de Cl-, c'est sa concentration fois le volume. Notez bien que lorsqu'on écrit la relation par définition, il est hors de question de tenir compte du facteur 2. Ça, c'est la définition même. Le nombre de moles d'une espèce chimique, c'est égal à, en solution, c'est égal à sa concentration fois son volume de solution. Le facteur 2, on en tient compte ici quand on fait le lien entre la quantité de matière de Cl- et l'avancement maximal. Donc, puisqu'on a nombre de moles de Cl- égale 2 fois Xmax, c'est-à-dire 2 fois CVS, d'une part, le nombre de moles de ions Cl- est égal aussi à la concentration des ions Cl- fois VS. Il vient à la relation toute simple. Concentration des ions Cl- est égale à deux fois la concentration en soluté apportée, ce que nous avions bien sûr établi à la diapositive précédente.